Un corps sans vie a été retrouvé ce samedi matin 7 octobre 2023 au quartier Lamaï dans la commune de Ratoma. La victime n'a pas été identifiée, mais il s'agit d'un homme de teint noir qui serait âgé d'une quarantaine d'années. Certains dans le quartier parlent d'un fou qui faisait la navette entre le carrefour Lamaï et le pont de Kobaya. Le matin, c'est la présidente qui m'a appelé, soi-disant qu'ils ont retrouvé un corps sur la route ici. À mon retour maintenant, je viens là-bas, j'ai trouvé une délégation de la commissariat centrale et de prendre le corps. Je dis le corps d'un être humain, ce n'est pas un corps de chien. On doit informer les pompiers parce que le cas paraît, ce n'est pas la première fois que j'ai vécu dans ça. Les pompiers qui doivent envoyer ça à l'hôpital. Après, on cherche la famille. Après la famille, le quartier peut aider la famille pour faire l'enterrement. J'ai appris qu'il était fou. Il y a certains qui sont connus, mais beaucoup de gens aussi ne connaissent pas. Même moi, je ne connais pas. Finalement, la Croix-Rouge, en compagnie des autorités, est venue prendre le corps pour procéder à son enterrement au cimetière de Lamaï.